Alors, Naomi, l'Africaine, c'est un de ces 21 enfants du monde que j'ai installé à Bercy en 2001. 21 pour symboliser l'entrée dans le 21e siècle. Donc, pour faire ces enfants du monde, j'aurais fait le tour des villes du monde pendant 30 ans en m'intéressant à la peau des rues. On pourrait croire que tous les bitumes du monde se ressemblent, et pourtant, d'une ville à l'autre, l'écriture, la calligraphie diffèrent. La grille d'arbres, la plaque d'égout, les pavés. Voilà, c'est tous ces signes distinctifs que je suis allé rechercher. Et à partir de ces extraits du sol, j'en ai fait des extraterrestres. Voilà. Donc les enfants du monde sont comme ça habillés de la peau des villes du monde. Le choix, il se fait de façon simple et esthétique. Et je vois une plaque d'égout, je me dis, elle est très belle. Comme je dirais à une fille qu'elle est belle comme une plaque d'égout. Donc c'est des choix esthétiques. Ouais, Naomi, c'est un peu la maman de l'Africaine, celle qui porte peut-être tous les autres. Si chacun porte les marques essentielles de la ville, elle porte ce qui est propre un peu à l'Afrique. Elle n'arbore aucune plaque d'égout. Hein. Et on retrouve des bracelets faits de pneus, de toute cette récupération, tout ce qui m'aura fasciné en Afrique où on récupère tout, rien ne se perd, tout se transforme. Et elle symbolise un peu tous ces thèmes. La terre craquelée qui habille son corps, c'est le thème de l'eau, la vie. On est sur un autre continent, on est dans un autre monde, dans d'autres rapports de valeur. C'est ça le voyage. Il fut une époque où on faisait des patines très sourdes, très lourdes, parce qu'on voulait masquer, maquiller la qualité du métal. Alors qu'une patine doit faire apparaître le métal. On doit bien le sentir, quoi. J'ai chargé les creux, mais j'allège le dessus pour que le métal réapparaisse. Et ce qui diffère d'une pièce à une autre, par exemple pour Naomi, une pièce n'est jamais vraiment identique à une autre. Il y a souvent en fonderie des problèmes, des manques, par exemple. Et on a eu au niveau du pied, donc j'ai dû redessiner. Et si on mettait côte à côte les deux pièces, elles ne se ressemblent pas du tout. Il y a vraiment des différences. Ça reste toujours une œuvre originale. Et à présent, dans la manière de peindre la pièce, de la personnaliser. Donc là, c'est pareil, je suis parti, ça n'a rien à voir avec celle qui est à Bercy. Mais j'aime bien ces moments où on colore comme ça. Dans l'Antiquité, on peignait les marbres, on peignait les bronzes. Ils nous sont arrivés blanchis, mais il faut savoir que tout était polychrome, quoi. Donc je ne sais pas combien de temps ça va résister, encore que si elle est à l'abri des ultraviolets, des rayons du soleil, et là, ça peut résister quand même. Le bébé se porte bien, vous voyez, 500 kilos. Le père se porte bien encore aussi. Le plus gros est fait, là. Puis c'est toujours un moment émouvant de voir partir un enfant. Sevré, ils s'en vont. Ils quittent le berceau.